L'info trafiquée de Yann Lambiel. Mauvaise critique pour Astérix et Lompierre du Milan. Oh, c'est normal, je suis pas dedans. Gérard Depardieu, oui. Vous avez vu le film ? Oh non, comme tous les gens qui critiquent, je l'ai pas vu. Mais je sais que c'est un navet parce qu'il n'y a pas GG. Oh, c'est pour ça que je vais produire les prochains volets de la saga d'Astérix. Ah, et vous avez des idées d'aventure pour les deux Gaulois ? Bien sûr ! Oh, Astérix à la FIFA. Le village d'irréductibles gaulois fait comme Lausanne, Neuchâtel ou Genève. Ils empruntent des millions de sesterces à la FIFA et comme ils peuvent pas rembourser, ils envoient Astérix et Obélix jouer avec la France pour leur faire gagner la prochaine Coupe du Monde. Oh, bah c'est pas mal ça, vous avez d'autres idées ? Oui, Astérix et Obélix font une manif à Paris. Ils sont devant moi, et, ouais, les CRS sont devant moi et moi je joue Obélix et je leur donne des claques. Il y a aussi Astérix et Obélix chez Poutine, là c'est plus facile, je peux jouer dans le décor naturel, j'ai mes entrées au Kremlin. La femme qui aurait dépucelé le prince Harry est sortie du silence, Stéphane Bern. Oui, Valérie. Oh, figurez-vous que cette pauvre fille qui coulait des jours heureux avec son mari et ses enfants s'est soudain retrouvée projetée sur le devant de la scène pour une malheureuse petite phrase dans les mémoires du prince. Il manquait 1000 signes pour finir la page. Le prince s'est dit, ah tiens, qu'il pourrait parler de son dépucelage qui a duré aussi longtemps que l'écriture des trois lignes qui le décrit. C'était une femme plus âgée. Mais écoutez, pas tant que ça, puisqu'elle avait en fait un an de moins que Meghan Merkel. Mais vous vous imaginez, un gamin prépubère de 16 ans, pour lui, une fille de 19, c'est une vieille. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Mais évidemment, Valérie, tout le monde se souvient de sa première fois nullissime, catastrophique, minable et surtout très courte. C'est pas faux. À vous aussi. Non, ça j'ai pas l'image, non. Ça n'a aucun intérêt, mais si tout le monde parle, parce que tout le monde a l'image de la scène, Valérie. 7h50. Petite news, Jean-Charles Simon. Oui, alors si vous voulez, moi je vais rattraper le temps. S'il faut meubler 3-4 minutes, je peux, hein, y a pas de problème. Vous avez vu qu'après les influenceuses et influenceurs, voici maintenant arriver les désinfluenceurs. Les désinfluenceurs. Et exactement, les désinfluenceurs, ce sont des gens qui essayent vraiment les produits vantés par les influenceurs, qui étaient surtout influencés par le pognon qui leur donnait les marques pour influencer les influençables. Et après, ben, après les influenceurs et les désinfluenceurs, il y aura bientôt les réinfluenceurs, c'est-à-dire des gens qui vont réessayer des produits qui avaient été désinfluencés par les désinfluenceurs et qui vont donc réinfluencer les influencés qui avaient été désinfluencés par les désinfluenceurs. Je me demande si pour ce texte, je ne me suis pas fait influencer. La chanteuse Aya Nakamura est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. C'est énorme, Aya Nakamura! C'est énorme. Guillaume, vous adorez Aya Nakamura. J'adore. Fantastique, oui. Et Fabrice Lucchini, oui. Vous connaissez cette chanteuse ? Évidemment, oui, d'ailleurs, après Molière, Céline et Chateaubriand, parce que je lis également Chateaubriand comme le bas. J'ai décidé de réciter Aya Nakamura sur scène. Attention, accrochez-vous, c'est du lourd. Hello, papy, mais qu'est pas ça ? J'attends des bails, j'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après, mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Petite pause pour quand même assimiler le message. Mais comment ça, le monde est typeux, c'est du verlan, Valérie, suivez. Je suis. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais ? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire, c'est pas son délire, Aya. Ça pourrait, mais ça n'est pas son délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja-Dja, il n'y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis ta patte à catin, Dja-Dja. Genre. Parce qu'il dit genre. En fin de phrase. En Kachana, baby, tu dead ça. Oh, Dja-Dja, c'est énorme. C'est de l'argot. Et la génération boomer n'est pas très friande, ces textes incompréhensibles. C'est normal, la génération boomer se croit plus intelligente au niveau des textes. Comme par exemple, c'est ce qu'ils écoutaient, hein, c'est ce qu'on écoutait nous. Donc,
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Dans mon slip, il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe. Ouille. C'est beaucoup plus, vous voyez. Ou encore, il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. C'est vrai qu'au niveau texte, c'était pas beaucoup plus... Imaginez si Aya Nakamura chantait de nos jours. Écoutez bien. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne reviens pas. Ah, c'est vrai que vu comme ça... Mais non, je pense que les textes débiles d'aujourd'hui n'ont rien à envier aux textes débiles d'hier.